Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. J'ai pas intitulé mon direct, mais tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo d'Annie Tchélé. Tout à l'heure, là. On m'a envoyé une vidéo d'Annie Tchélé. Donc, il y a deux éléments que Annie Tchélé a eu à dire dans la vidéo. Je veux rebondir dessus. Annie Tchélé dit, elle remercie l'État de Côte d'Ivoire, le protocole d'État. Je dis que ce conflit-là s'est dépassé. Je veux dire à Annie Tchélé, je veux répondre à Annie Tchélé que les Ivoiriens ont besoin d'autre chose. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'est Annie Tchélé qui a arpenté. Je suis à Abidjan et puis je réponds à Annie Tchélé. C'est Annie Tchélé qui a arpenté les couloirs du palais du président Laurent Gbagbo. Je veux dire ça à Annie Tchélé. Je veux dire à Annie Tchélé que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Je veux dire à Annie Tchélé que ce que Dieu a écrit sur la vie du président Laurent Gbagbo va se réaliser. Elle, là, son mari François Kinsi, là, l'a laissé et puis il est parti et puis il n'y a rien. Je ne veux pas rentrer, mais je veux relever un truc révélateur. Je ne sais pas si Annie Tchélé a eu pour mission la vie privée du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est un homme. Si il dit il prend ses responsabilités pour quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va lui faire quoi que ce soit. J'ai dit, je ne parlais pas de ça. Mais Annie Tchélé, le complot que vous faites contre le président Laurent Gbagbo, là, ça ne peut rien faire. Le président Laurent Gbagbo va être acteur politique. Je le dis et je reprends. Le président Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo vont s'asseoir devant le peuple de Côte d'Ivoire pour que chacun puisse parler à ses militants. Ça va se faire. Annie Tchélé, je viens te promettre ça ce soir. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un enfant. Quand il a fini la CPI, on lui a dit sa vie. Il a dit ce qu'il voulait faire. Personne ne peut dire opposer. Parce que ce que vous faites là, personne ne peut s'opposer. Quand un homme qui est comme le président Laurent Gbagbo dit à son ex-épouse, je ne veux pas que tu viennes dans un cadre comme ça, c'est pour lui devoir du respect à elle-même. C'est pour respecter la dame elle-même. C'est pour la respecter. Toi, Annie Tchélé, c'est toi qui ne respectes pas Simone et Yves Gbagbo. C'est toi là qui ne la respectes pas. Parce que tu viens de dire, aux yeux du monde, aux yeux des Ivoiriens, aux yeux de tous les Ivoiriens qui sont en train de battre le pavé, qui ont battu le pavé, qu'il y a un autre complot qui se présente avec elle. Parce que quand tu dis que le protocole d'État, qu'est-ce que le protocole d'État a à intervenir parmi les invités du président Laurent Gbagbo à l'aéroport? Ça veut dire que c'est un complot. Annie Tchélé, ça veut dire que c'est un complot contre le président Laurent Gbagbo. C'est un complot. Tu es à l'aise pour venir dire, oui, tu remercies, oui. Moi, j'ai dit que je disais merci. J'ai dit dans ma vidéo quand j'étais à Paris que quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, je dirai merci. Je vais appeler Monsieur Ouattara, que je l'appelais Monsieur Ouattara, je vais l'appeler le président Ouattara. Parce qu'il a fait un geste. Et que le président Laurent Gbagbo aussi a ses militants. Que entre, ils sont trois acteurs. Il faut qu'ils s'asseyent pour donner la. C'est-à-dire que une bonne relève au peuple de Côte d'Ivoire. Ça, je le dis. Mais Annie Tchélé, tu fais une vidéo où tu es en train de infantiliser Simone et Yves Gbagbo, où tu es en train de la rabaisser, où tu es en train de la diminuer, où tu es en train de la dévaluer toi-même, Annie Tchélé. Parce qu'une femme, quand toi, le président Laurent Gbagbo partait l'épouser, à part le Front Populaire Ivoirien, il n'a pas demandé la vie aux Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo n'a pas demandé la vie aux Ivoiriens, Annie Tchélé. Le président Laurent Gbagbo n'a pas demandé aux Ivoiriens que est-ce qu'il faille qu'il épouse cette femme. Non, il n'a pas demandé. C'est vous qui ne la respectez pas. C'est vous qui ne la considérez pas. C'est vous qui lui dites de faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est vous. Parce que
Comment toi, Annie Kelly, tu as démissionné de ta vie de couple? Tu as démissionné de ton mariage? Ta vie de la, ton foyer là, ça ne t'intéresse plus. C'est le foyer d'un homme qu'on appelle le président Laurent Gbagbo qui t'intéresse. C'est son foyer qui t'intéresse. C'est ton foyer. C'est le foyer du président Laurent Gbagbo qui t'intéresse. Mais c'est dommage. Ceux qui vous disent, regardez, vous avez, ça dit que comment est-ce que... C'est ce que j'étais en train de vous dire depuis le début et c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Je ne comprends pas. Les gens, le président Laurent Gbagbo, ça dit que c'est vous qui allez dévaluer le combat du président Laurent Gbagbo à une histoire qui est unity. Annie Kelly, tu es trop petite. Tu es trop petite. Toi, Annie Kelly, tu t'es assise sur Facebook parce que c'est le nouvel travail que tu as eu. Tu as dit que tu es cinéaste, mais tu ne fais rien. Tu as dit que le président Laurent Gbagbo ne va pas revenir. Le président Laurent Gbagbo est venu. Moi, je dis et je répète. Je dis, Dieu va permettre que ces trois hommes politiques-là, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la, c'est-à-dire que pour une bonne relève, pour la stabilité en Côte d'Ivoire, là, ces trois grands hommes-là, ils vont s'asseoir, ils vont se réunir et ils vont s'entendre. Moi, je te le dis. Annie Kelly, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Parce que chez nous, là, chez nous, les bancs, chez nous, les bancs, là, c'est la seconde femme qui va vers la petite femme. Vous l'avez induit en erreur. Ça veut dire qu'elle est partie accueillir sa petite soeur, la petite femme. Celle qui devait l'accueillir, elle-même, elle est partie accueillir sa petite femme. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous êtes agité. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'a pas d'armes, il n'a pas de missiles, il n'a pas de machette, il n'a rien. Quand vous montez, vous descendez, le président Laurent Gbagbo a des partisans ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui aiment le président Laurent Gbagbo parce qu'il est le chaînon manquant. Ça là, il faut que chacun de nous comprenne que le président Laurent Gbagbo est le chaînon manquant. Que le président Laurent Gbagbo ne va pas léguer la politique à vous là. Que le président Laurent Gbagbo, ce que vous allez dire là, vous allez prendre la boue, vous allez verser, vous allez faire tout là. Ça ne peut rien changer à l'histoire. Annie Kelly, il fallait être là hier. Il fallait être là hier pour voir des Ivoiriens. Il fallait être là hier pour voir les employés de l'aéroport. Il fallait être là hier pour voir ce monde-là. Vous prenez des bouts de vidéo. Mais ce que vous dites là, c'est dit que la femme même dont vous dépeignez, vous insultez là. Elle a dit, laissez-la, elle va l'embrasser. Et puis elle va partir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Et puis ça n'a pas chauffé. Ça n'a pas chauffé. Et ça ne va pas chauffer. Et ça ne chauffera pas. C'est ça qui est la vérité. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Vous avez induit la femme en erreur. Vous l'avez induit. Une grande dame, une icône, une femme politique. Vous l'avez rabaissée à une histoire. Vous l'avez, c'est-à-dire que vous l'avez dévaluée. Et les images dont vous voulez qu'on interprète là, les images d'hier là, ça veut dire que la plus jeune femme est plus sage. La plus jeune femme est plus aimante. La plus jeune femme est plus conciliante. La plus jeune femme est respectueuse. Quand vous avez fait vos froufrous là, elle vous a laissé, elle est partie s'asseoir dans la voiture tranquillement. Elle a attendu son mari et puis ils sont partis. C'est ça qui est la vérité. La nouvelle mission là, elle ne va pas réussir. Hein? Parce que les Ivoiriens savent. Ça ne va pas. Donc Annie Kelly, je viens te dire que ce n'est pas grave. Là, là, les Ivoiriens sont en train de voir que hier, là, ils sont partis recevoir le président Laurent Gbagbo. Quand ils sont finis, là, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas retourné. Les gens sont partis au travail. Tout le monde mange ici. Les gens dansent. C'est aujourd'hui, là, dans d'autres villages de la Côte d'Ivoire, là, ils ont dansé. Rien. C'est-à-dire que le Dramane Ouattara est toujours au pouvoir. Annie Kelly, je viens te dire, tu viens de dire aux Ivoiriens que hier,
le pouvoir d'État a accepté de donner le protocole à la camarade Simone et Yves Gbagbo pour aller emmerder le président Laurent Gbagbo, sachant que lui-même, parmi ses invités, il a le droit de dire il invite qui il veut pas. Il a ce droit. Il a le droit le plus absolu. Faut passer à autre chose, hein, Nichele. Faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose. Et puis passer à autre chose. Parce que bientôt, là, les hommes politiques, là, les trois hommes politiques, là, ils vont se retrouver, ils vont se parler. Bientôt, les... ça veut dire que vous avez ridiculisé la femme hier, vous l'avez ridiculisée. Vous l'avez ridiculisée. Vous l'avez ridiculisée. Moi, là, si moi, les athées, là, si c'est ma maman, ma mère, si c'est ma mère, là, elle n'allait pas faire ça. Ma maman allait s'asseoir chez elle. Elle allait peut-être faire une vidéo. Elle allait s'asseoir chez elle tranquillement. Laisser les choses passer. Je n'allais pas venir humilier ma maman comme ça. C'est vous qui l'a humiliée. C'est vous-même. Parce que vous voulez salir le président Laurent Gbagbo. Vous voulez, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Annie Kelly, je ne sais pas. Et puis tu me fais pitié. Je ne sais pas. Il faut libérer la vie de la femme. Aujourd'hui, là, je viens te dire, il faut libérer la vie de Simone Gbagbo. Il faut libérer sa vie. Il faut libérer sa vie. Et tu t'attaques à Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré, là, si tu insultes Stéphane Kipré, que Stéphane Kipré dit qu'il ne veut plus encore de sa femme, tu vas dire quoi? Parce que si vous insultez Stéphane Kipré, là, il va dire, bon, comme moi je dis, Gbagbo Laurent, il est comme pour moi un papa. Il m'a tout donné. Je me bats pour lui. Aujourd'hui, là, ce que j'ai, là, c'est à cause de ça. Donc, moi, Stéphane Kipré, je vais divorcer la fille. La fille, oh, la maman, elle n'a qu'à venir prendre sa fille. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien dire. Arrêtez d'être imbécile. Arrêtez d'être idiot pour rien. Le président Laurent Gbagbo est rentré après 10 ans. Le président Laurent Gbagbo est la pièce manquante, est le chaînon manquant. Le président Laurent Gbagbo est un homme conciliant. Le président Laurent Gbagbo est venu pour prendre sa place. Le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, ils vont s'asseoir, ils vont se parler. C'est ça qui est la vérité. Je suis habillée et puis je le dis. Ils vont se parler. Parce que nous ne voulons plus des Ivoiriens en prison. Parce que nous ne voulons plus de crépitement d'âme. Parce que nous ne voulons plus pleurer. Parce que nous ne voulons plus d'exiler. Donc, ils vont s'asseoir, ils vont se parler. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et toi, tu viens nous informer que... Parce que moi, j'étais là-bas, j'étais au parvis, oui. Tu n'as pas honte de venir dire... Donc, c'est un complot. Ça veut dire qu'une personne qui a eu des enfants avec un monsieur... Une personne qui a des petits-enfants avec un monsieur. Une personne, elle a été libérée. Elle est chez elle. Tranquillement. Je dis tranquillement. Elle est chez elle. Et un monsieur qui est parti, sa maman est décédée là-bas. Et puis, il te dit, ma femme, mon ex-femme, ou bien tant, pour ton respect, tu connais ma vie. Tu sais, je sais. Il faut rester là-bas, je viens, on va régler. Et vous l'encouragez d'aller saisir le protocole d'État. Vous l'encouragez, va saisir le protocole d'État. Et le protocole d'État lui donne le droit de venir là. Et puis depuis le matin là, le président Laurent Gbagbo qui a fait 10 ans en exil, qui est revenu victorieux. Faut pas les Ivoiriens vont prendre les images du retour du président Laurent Gbagbo pour fêter. Faut pas les Ivoiriens vont parler d'autres choses. Ce soir-là, le retour du président Laurent Gbagbo vous dérange. Blé Boudéo, votre groupe là-haut, votre bande là-haut, ça vous dérange. Mais vous mentez. Je vous annonce et je vous le dis de façon solennelle que le président Ouattara, quand il va rentrer de son séjour là, vous serez là. Et puis on a dit, il y a une rencontre entre les trois grands chefs. La rencontre entre le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara. Les trois là, ils vont s'asseoir, ils vont parler. Ils vont parler de la situation des Ivoiriens. Ils vont parler des cas des Ivoiriens qui sont en prison pour que nous puissions vivre en paix.
Mais Chele, tu es tombé bas. Tu es plus que bas. Chele, tu es une épave. Chele, j'ai dit, tu es tombé bas. Comment est-ce que tu viens nous dire, ça veut dire que ça là, cette hypothèse là, on l'avait, moi j'étais là-bas. Moi j'ai dit que je ne rentre plus dans ça. Parce que ça là, c'est plus un débat. Si vous êtes toi, Anikela, si tu aimais vraiment la camarade Simone et Yves Gbagbo, si tu l'aimais vraiment, tu n'allais pas venir t'asseoir sur la toile et puis t'incruster dans sa vie, rentrer dans sa vie. Anikela, au moment où toi tu as fui là, le président Laurent Gbagbo a reçu des tonnes de bombes. Il est parti à la CPI. De Korogo, on l'a envoyé à la CPI. De la CPI, là, hier, là, il est rentré à Abidjan. Viens, je vais te montrer les images. Peut-être on t'a montré en vidéo. Tu n'étais pas là. Les Ivoiriens, là, ont dansé. Elle te dit ça. Et puis, quand ils ont fini, là, ils sont rentrés de façon disciplinée. Il n'y a rien. Aujourd'hui, là, les gens sont allés au travail. Tu n'as rien à faire. Est-ce que tu trouves normal que une histoire de femme, de monsieur, madame, là, c'est privé, c'est interne. Vous qui êtes là en train de vous exhiber, là, qui n'a pas laissé sa femme? Il y a d'autres là même, là. Femme, oh, enfant, oh, ils laissent dans la maison et puis ils prennent balichon et puis ils s'en vont. Et puis personne ne parle de ça. Ils prennent balichon et puis ils s'en vont. Anikele, le président Laurent Gbagbo a gagné sa victoire. Anikele, tu avais dit que le président Laurent Gbagbo était devenu mongol. Tu avais dit qu'il était gaga. Tu avais dit qu'il ne jouissait plus de ses facultés. Le président Laurent Gbagbo s'est rappelé de son ami de 71. Il s'est rappelé d'un ancien ami qu'on appelle Kodjo Richard. On était dans la salle. Il a parlé de lui. Le président Laurent Gbagbo s'est souvenu que Akengbo était son premier ministre et que c'était un homme qui avait de la valeur, qui avait de la compétence. Il était un grand économiste. Le président Gbagbo l'a dit. Bois de Awa, mon langage n'a pas changé. Hein. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, je disais que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et je vais dire Dramane Ouattara président. Le jour où mon mentor, il est ex-président de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est un ex-président de la Côte d'Ivoire. Le jour où mon mentor sera ici, là. Quand il a fait son discours, le président Laurent Gbagbo, le 26 octobre 2020, là, il a dit qu'il était un ex-président. Le président Gbagbo n'a pas dit qu'il est président. Si mon président est là, j'appelle M. Dramane Ouattara président, je l'ai dit. Tu me parles de quoi? Mon langage a changé quoi? Et j'ai toujours dit que le président Laurent Gbagbo est le chaînon manquant de la réconciliation. Je l'ai dit et je le dis tous les jours, ma chérie. Je l'ai dit et je le dis tous les jours. Je l'ai dit et je le dis tous les jours. Anikele. Donc, Afingessa, Simone et Yves Gbagbo sont allés contacter le protocole d'État pour aller humilier, pour aller agresser le président Laurent Gbagbo, celui que tout le peuple de Côte d'Ivoire attend. C'est ce que tu es venu nous dire dans ta vidéo. Est-ce que ça, là, ça se fait? Est-ce que un homme qui est parti en exil, qui a perdu sa maman, qui a laissé sa maman, on a enterré sa maman pendant 10 ans, est-ce que affaire de foyer là, ça ne peut pas attendre à la maison? Est-ce qu'affaire de foyer là ne peut pas attendre? Donc toi, Anikele, tu viens dire que la camarade est partie saisir le protocole d'État. Le protocole d'État pour s'imposer. Pour que les Ivoiriens puissent se détourner du retour du président Laurent Gbagbo. Et le lendemain, vous en faites un buzz. Oh, soyez sereins. Quand Dieu commence quelque chose, il termine. Dieu a commencé quelque chose pour le président Laurent Gbagbo, il va terminer. Vous aurez tous honte. Anikele, mais c'est bête. Allez saisir le protocole d'État. Et puis venir s'asseoir. Et puis, une jeune femme de 47 ans,
va te dire, tu fais la bise et puis tu pars. Ça fait honte. Ça fait honte. Parce que le monsieur, il t'a respecté. Il a été poli. J'entends que la maman de Apoutou a fait vidéo pour dire qu'on a humilié. Mais la maman d'Apoutou aussi, elle n'a qu'à regarder les vidéos. Un homme respectueux. Un homme qui sait respecter les gens. Et qui dit qu'il va vers son ex-femme pour lui dire que ce que les gens te disent de faire là, ne fais pas. Il ne faut pas faire. Il faut rester chez toi à la maison. Tu sais que j'ai refait ma vie. Et vous, les imbéciles comme ça, vous l'encouragez. Maître Daguet, les gens comme ça, vous l'encouragez à venir être là. Et puis vous-même, vous vous moquez d'elle parce que vous attendez, vous voulez une cible. Et toi, Annie Kelly, tu viens nous dire. Tu viens nous dire. Et je dis, le président Laurent Gbagbo, je répète, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié vont s'asseoir pour parler de la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça qui vous fait mal. Et le président Laurent Gbagbo est rentré. Il va très, très, très bien. C'est ça qui vous fait mal. Vous n'avez pas honte. Et quand vous avez regardé la vidéo, ma maman Douaoudé était en train de dire à ses grandes filles, venez embrasser votre papa. Et puis elles sont venues embrasser leur papa. Leur maman était en train de s'y embrasser. Et puis elles sont venues se jeter. Vous n'aviez pas honte. Comment vous n'aviez pas honte? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça dit que toi, Annie Kelly, vous les gnani gnani, vous ne pouvez pas encourager cette grande dame-là pour qui moi, allais jeter. Toi, Annie Kelly, tu te cachais dans une, je sais pas, dans une maison HLM à Bruxelles, là-bas. Tu n'as jamais marché. Tu n'es jamais parti à la haine. Tu n'as jamais battu le pavé. Tu étais dans le palais. Tu racolais l'argent. C'est tout. Tu es parti là. Je ne sais pas si tu es en exil. Tu t'arrêtes là-bas pour saluer le président Dramana. Moi, je dis, je suis militant du FPI. J'aime le président Laurent Gbagbo. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu l'accompagner. Et je suis venu accompagner ma maman Douaoudé. Et toi, Annie Kelly. Ta maman, elle est ici. Elle a été libérée depuis 2018. Il faut te déplacer, il faut venir la saluer. Tu n'es pas exilé. Tu dis tu es belge. Tu n'es pas exilé. Annie Kelly, tu n'es pas exilé. Tu n'es même pas exilé même. Vous pensez que quand je dis je vais vous laisser là, je vais vous laisser comme ça? Vous avez, c'est vous qui avez ridiculisé la dame. Toi, Daguet Rodrigue, votre bande de menteuses, moi, la dernière fois vous avez crié ici. On va faire fête des mères extraordinaire pour toi. C'était nul. Vous avez tapé poteau. Vous êtes en train de ridiculiser la dame de jour en jour. Vous êtes en train de la rabaisser de jour en jour. Vous êtes en train de lumière de jour en jour. Et en plus de ça, toi, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler de Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré a marié sa fille. Ils ont 3 enfants ensemble. Ils ont 3 enfants ensemble. Et c'est son mari. Maintenant, s'il est trop fâché là, il dit, bon, moi, je suis fatigué. Moi, Stéphane, là, je suis joli garçon, je suis beau, je suis grand, j'ai l'argent, je ne veux plus de la femme. Vous allez faire quoi? Vous fatiguez les gens, vous emmerdez les gens. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Maintenant, Stéphane qui prévoit dire, bon, moi, ils sont en train de m'insulter, je suis fatigué. Parce qu'ils m'ont insulté en France quand je faisais car. Ils m'ont traité de tout. Il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire. Moi, je disais que c'est les larrons de Paris là qui le suivaient. On a vu un homme comme Stéphane Kipré. Je l'ai vu de mes yeux hier. Je l'ai vu comment il était au taquet pour le président Laurent Gbagbo, comme il était au taquet pour ce grand homme-là. Il s'est mouillé dans la dignité. Vous l'êtes parvenu, toi, comme Annie Kelly là. Quand tu as passé ici, tu étais dans le palais du président Laurent Gbagbo, puis tu as bouffé l'argent là, tu as fait quoi? Aujourd'hui, c'est la camarade Simone et Yves Gbagbo qui est devenue ta marchandise. Tu ne peux même pas produire un court-métrage. Tu ne peux même pas produire un court-métrage. Vous n'aviez pas honte. Oui, elle allait saisir le... Je veux dire merci au gouvernement. Elle allait saisir le protocole d'État. C'est une honte. Mais vous insultez le monsieur. Vous le traitez de truc. Et puis vous voulez foyer là. Comment vous pouvez insulter un monsieur? Vous pouvez vivre le truc. Et puis vous courez derrière ce même foyer. Pourquoi? Laissez la fin de foyer là alors. Vous courez après. Vous vous accrochez. Vous vous attachez à ça.
Ça fait honte. Ça fait honte. Moi, mais je vais devenir porte-parole. Je vais devenir griot de la femme là. Parce que vous allez la libérer. Vous l'avez induit en erreur. Hier là, vous l'avez dévalué. Vous avez fait qu'elle a manqué de respect à son mari devant tout le monde. Elle s'est dévaluée encore. C'est moi qui dis ça. Elle s'est dévaluée. Elle s'est dévaluée. Quand on voit la vidéo là, ma maman Douaoudé a été à la hauteur. Elle a dit, ça suffit, arrêtez. Venez, venez, venez. Viens, embrasse. Tu finis de l'embrasser, tu pars. Bon, toi, les enfants, venez. Elle a pris le dessus. Elle a été femme capable. Une grande icône comme ça, là, vous l'avez ridiculisée. En lui disant d'aller saisir le protocole d'État. Si on lui dit de ne pas partir, elle n'a qu'à aller saisir le protocole d'État. Elle va rentrer à son mari. Elle est rentrée à son mari. Elle est rentrée à lui. Elle est rentrée à lui. Vous l'avez fait compassion, compassion, là, ça va changer quoi? Elle est rentrée à lui. Est-ce qu'elle est rentrée à lui? Je vous pose la question. Est-ce qu'elle est rentrée à lui? Vous n'aviez pas honte. Est-ce qu'elle est rentrée avec lui? Je vous pose la question. Vous faites des bruits là. Elle est rentrée avec lui. Maintenant, Daguerre Rodrigue est venu s'asseoir sur la toile pour faire un poste à la con là. Aujourd'hui là, il n'a qu'à venir faire qu'il y a eu un abandon de foyer. Pourquoi il n'est pas venu faire un abandon de foyer? Pour qu'elle puisse avoir le divorce. Vous n'avez pas honte. Les Ivoiriens s'en foutent de ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ça fait honte. Ça commence à faire honte. C'est du ridicule. Le président Laurent Gbagbo est rentré sereinement chez lui. Il est parti parler politique. Quand il est parti là, dans son QG là, il a parlé politique. Il s'est assis. J'ai dit les Ivoiriens, vous n'avez pas écouté? Les Ivoiriens l'ont acclamé après votre connerie là. Et ça vous fait mal. Vous êtes en train de l'utiliser. Ceux qui m'écoutent, je suis encore à Abidjan. Je vais parler à Laurence Kipré. Je vais parler à Popo. Je vais parler aux enfants de la maman Simone et Yves Gbagbo. Il est temps que vous dites aux gens d'arrêter. Il est temps. Votre papa a souffert aussi comme votre maman. Les histoires de foyer, de couple, de parents, là, ça reste à la maison. Je répète. Je répète. J'ai dit les histoires de foyer là, ça suffit. On le règle à la maison. Votre papa là, hier des Ivoiriens se sont levés. Ce n'est pas quelqu'un qui a payé mon billet. J'ai payé mon billet pour venir. Les Ivoiriens se sont levés. Ils se sont agrippés sur des clôtures. Des enfants n'ont pas dormi. Vous avez vu, hier au pavillon présidentiel là, au pavillon présidentiel là, il n'y avait pas que les enfants du président Laurent Gbagbo. Il y avait les Ivoiriens de toute, c'est-à-dire de toute la Côte d'Ivoire. Vous emmerdez les gens. Vous étiez toutes belles, habillées. Je suis Abidjan. J'ai dit, je suis Abidjan, puis je vais vous parler. Je suis Abidjan. Et quand elle vous a dit, venez embrasser votre papa là, vous, vous n'êtes pas jeté sur elle. Vous causez avec. J'ai vu Matapia. J'ai vu Popo. J'ai vu Laurence. J'ai vu Léa. Ça fait honte. Si vous n'avez pas honte, moi je viens vous dire que ça fait honte. Je suis Abidjan, puis je vous le dis. Ça fait honte. Ça fait honte. Jusqu'à toi, Marie-Laurence, maintenant, Annie Kelly rentre dans la vie de ton mari. Rentre dans la vie de ton mari. Il faut leur dire stop. Stop. Le président Laurent Gbagbo est un grand homme. Il est un grand homme. Il est un grand homme, le président Laurent Gbagbo. Il est un grand homme. Vous donnez quoi aux Ivoiriens? Marie-Laurence, Popo, Léa, vous donnez quoi aux Ivoiriens? Matapia, vous donnez quoi aux Ivoiriens? Vous payez les Ivoiriens? Vous payez quel Ivoirien? Vous avez donné quel argent aux Ivoiriens pour sortir, pour acclamer votre papa? C'est moi qui ai dit ça. Je suis Abidjan. Les Ivoiriens sortent parce qu'ils ont une histoire particulière avec le président Laurent Gbagbo. Oui, il n'a pas pris les armes pour faire la politique. Il a convaincu chaque Ivoirien. Il est rentré dans le cœur de chaque Ivoirien. Regarde un monsieur, il faisait le témoignage d'un de ses amis de 71. Il a pleuré dans la salle parce que son ami est malade. Malgré sa maladie, il est resté attaché au président Laurent Gbagbo et fidèle au président Laurent Gbagbo. Mais Stéphane Kipré, c'est le père de tes enfants. Stéphane Kipré, c'est le père de tes enfants.
Annie Kelly, elle est qui? Et puis à chaque fois, c'est elle qui va venir parler. Quand après, ça commence comme ça, quand quelqu'un va venir répondre, vous avez dit que, on vous allait dire qu'on manque de respect à votre maman. On manque de respect aux gens. Ça suffit. Dites-leur que ça suffit. Dites-leur que votre papa, là, il est un homme politique, mais ça suffit. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait très, très honte et c'est sale. Je vous ai vu là, vous n'êtes pas des bobos, hein. Vous n'êtes pas bobos. Ça fait honte. Comment est-ce que vous, des filles, des grandes filles, vous êtes mères, vous pouvez accepter qu'on vienne traiter votre mari des assoiffés politiques, des manipulateurs, viennent traiter votre maman comme ça. Les vidéos passent. Vous avez quoi? C'est moi qui ai parlé. J'ai dit, c'est Dieu qui donne la force aux gens. C'est quoi? Et ce soir-là, Nikele fait vidéo, des gens, ils viennent, ils like, et puis elles font semblant, elles prennent l'image de votre maman. Je vois, j'ai vu même Bintou Ouattara là se pavaner. Ils vont venir faire quoi? Vous pensez que les Ivoiriens qui sortent, quand on parle de Gbagbo Laurent là, c'est vous qui les avez tirés dans leur maison? C'est vous qui êtes allés les chercher pour dire qu'ils n'ont qu'à aimer votre papa obligatoirement? Les Ivoiriens aiment votre papa parce qu'il a fait quelque chose de grand. Parce qu'il a bravé. Parce qu'il s'est battu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est rentré dans le cœur des Ivoiriens. On s'en fout. Vous en nous emmerdez avec vos histoires de famille là. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Et vous nous faites chier. Parce que nous, on a envie de passer à autre chose. On a envie d'être bien. On a envie d'être bien. Annie Kelly, j'ai été laissée. Mais je tenais à répondre. Je me suis dit, je suis ici, je vais répondre. Moi, j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Et je fais des choses avec mon cœur. Mais que ça suffise. C'est sale à voir. C'est sale. C'est sale. Ça fait pitié. Vous êtes venu en triomphe hier. Et puis vous êtes parti en catimini. Vous êtes parti honteux. Ça fait pas, ça gêne pas. Et vous, les grandes filles comme ça, vous ne pouvez pas dire aux gens de stopper? Vous ne pouvez pas? Vous avez vu les Ivoiriens qui sont sortis hier? Il y a d'autres qui ont été blessés. Marie-Laurence, Popo, Léa, Matapia, ceux qui ont été blessés hier, là, vous êtes partis chez leurs parents, vous êtes partis les visiter, vous êtes partis les voir, vous êtes partis chez eux. Depuis que votre papa est sorti, nous-mêmes les Ivoiriens qui avons marché pour votre papa là, est-ce que vous là, vous avez fait, pris une salle, vous avez fait un truc pour nous dire merci? Et puis on doit subir votre histoire de famille. On doit subir votre manque de responsabilité vis-à-vis du président Laurent Gbagbo pour qu'une Annie Kelly comme ça, une cocotte comme ça, puisse tous les jours s'asseoir sur la vie de Gbagbo Laurent. Viens m'arrêter là.